Salut les gens, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, donc du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'était une activité dont tout le monde avait la hype pendant un moment, ça s'appelle le diamond painting, et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. De chez Amazon, celui-là il arrive de chez Amazon, voilà. Est-ce que je vous le montre totalement maintenant, ou vous verrez au fur et à mesure, c'est la question que je me pose. Mais je me suis dit, vu que je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, c'est un objectif que je me donne, donc je vous le montre maintenant. Alors, dans le colis, il y a la toile. Est-ce que vous allez reconnaître? Voilà. Et dedans, il y a tous les petits ustensiles qui, apparemment, comme certaines personnes ont pu le dire, ça, soi-disant, ça serait de la merde, c'est trop fin, ça fait mal aux doigts. Le petit stylet comme ça, en plastique. Ensuite, des petits pochetons pour les perles. La colle, je sais pas comment ils appellent ça, pour mettre sur le bout. Le petit bac pour mettre les petites perles dedans. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, que je ne sais même pas combien il y a de couleurs en tout. Donc je découvre ça avec vous, quoi. Alors, en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, est-ce que c'est les mêmes? Non, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 couleurs, sachant que ça va, mais dans le sachet, il n'y en a pas trop. Donc je pense que ça va être assez rapide. Les habitués, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, combien de temps je vais mettre pour le faire? En tout cas, je vais essayer de faire le plus rapidement possible que je peux, sachant que j'ai une vie aussi à côté. Donc soit j'essayerai là de le faire d'affilée, c'est quelle heure? 4h30, et je vais essayer de tirer la nuit pour essayer de le faire. Ou sinon, je cumulerai toutes les heures. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai combien de temps j'ai pu mettre. Bon, j'attaque. Oui, ok, mais ça se sent que je suis vraiment pas sereine. Du coup, j'ai pris la petite couleur H qui correspond au 30-47. Voilà, paquet ouvert. Alors, on va préparer un petit peu. Apparemment, il faut pas trop en mettre. Je sais pas du tout comment on s'y prend. On verra bien. On prépare aussi le petit stylet. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez, parce que de cadrer et de faire des choses en même temps, c'est un peu compliqué. Voilà. Et maintenant, on s'envoie. Je prends ma petite perle. Allez, qu'on inaugure ça. Est-ce que vous... C'est compliqué à faire plusieurs choses à la fois. H, la première perle est collée. Youhou! Allez, je vous laisse sur cette première partie et on se reprend plus tard.
Bon, voilà en 4 heures ce que j'ai pu faire. Je pense que ça va, ça peut le faire quand même. Il y a 30 cm sur environ, ouais, 5 bons centimètres. Voilà. Pour ce soir, je pense que je vais m'arrêter, je reprendrai demain. Là, je vais faire une petite pause, je vais manger tranquille. Et en plus, il y a plus trop de lumière, donc c'est un peu la misère. Bon, je vous dis à demain pour moi et à de suite pour vous. Et jour numéro 2, on recommence, comme je vous ai montré hier soir. Bon, je me suis mis dans une autre pièce pour être un peu plus tranquille. Et j'ai prévu les lunettes aussi parce que ça explose. Et on attaque. Je vous reprends. Ça fait presque 1 heure que j'ai attaqué. Et la vérité, j'ai l'impression que ça avance pas. Ok, c'est soi-disant une activité qui détend. Moi, elle ne me détend pas du tout. J'ai l'impression au contraire qu'elle me met encore plus la haine parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire en 1 heure et je pense que c'est ça qui est le plus long. C'est boucher tous les petits trous que vous allez voir, je vais vous montrer. Bon, comme je viens de vous dire, voilà, boucher tous ces petits trous là, vous savez, vous faites des grandes parties, tout était impeccable. Et quand il y en a quelques-uns par-ci par-là, entre le temps de changer de sachet, de trouver le bon numéro qui va avec le bon code couleur, voilà, c'est hyper long. J'ai pas l'impression d'avancer, comme je vous ai dit. Voilà, j'ai pu faire ça et encore il reste quelques trous. En vrai, c'est même pas la moitié, je crois que c'est un quart. Et franchement, ouais, le petit stylet comme ça, là, c'est de la daube. Ça va pas assez vite. Allez, je reprends et. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 3. Hier, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait juste 2 heures et demie de diamond painting. Donc, les gens, j'ai besoin de vous. Donnez-moi de la force. Donc, pour ça, abonnez-vous, likez la vidéo. Et on reprend pour ce troisième jour. Bon, les amis, je me suis étalée. Voilà ce que ça donne. Au bout de à peu près 8 heures. J'ai fait la moitié. Je suis arrivée à la moitié. Voilà. Bon, ben on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça fait en tout 6 h 30 que j'ai fait du diamond painting aujourd'hui. J'avoue que là, j'ai les yeux qui sont explosés. Il n'y a plus trop de lumière. Et par la même occasion, je vous montre quand même l'avancée. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Ça s'arrête à peu près ici. Il ne reste pas grand-chose. Voilà, donc on a bien avancé, sachant qu'on a attaqué, on était à peu près par là ce matin. Pendant la vidéo, je vous ai dit que je suis arrivé à la moitié et plus là. Donc en 6 h 30, je pense qu'il y avait une bonne cadence. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et salut, vous ici, qu'est-ce que vous faites là? À toujours au rendez-vous. Allez, jour numéro 4, on attaque. Une boîte, j'ai déjà pu finir un sachet de diamants et 3 autres couleurs aussi qui feront plus partie de la toile. J'ai fini ces 3 couleurs-là aussi. Donc, du coup, avant que la vidéo se termine, dites-moi en com combien de temps vous pensez que j'ai mis pour la finir.
dernière ligne droite, il me reste seulement trois couleurs. Donc du coup, on se motive. Amis, dernier sachet, dernière couleur. Tout le reste des sachets, ils sont là dans mon bordel avec les notes de temps que j'ai pu mettre. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire combien de temps j'ai mis. Et avec vous, on va mettre les dernières perles. Les amis, moment fatidique, moment final, la dernière perle. Attendez, je vous ai perdu. Vous êtes là? Elle est là, vous la voyez? Ça y est, Diamond Painting fini. Bon, c'est ici que cette vidéo s'achève. Je peux vous dire que je suis vraiment contente. J'ai pu mettre avec vous le dernier diamant. En tout, le total d'heures travaillées sur ce dessin est de 16h40. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.